quatrième édition de Limoilove cette année avec des nouveaux partenaires, dont la distillerie Stadacone, qui a un superbe bar en forme de coque de bateau un peu plus bas sur la 3e avenue. On essaie de bonifier d'une année à l'autre l'événement. Un petit peu plus de lumière, en fait, plus de restaurants. On est à 12 restaurants cette année. Alors, food truck aussi à travers ça, pour la première année d'un de nos partenaires, le Pizzeria 900. Frites à l'heure, qui a aussi une espèce de remorque à adapter pour la restauration. Alors, on est bien contents. C'est parti en Lyon, là. La fréquentation, bien là, on vient de vivre une petite ondée qui nous a un peu refroidi. Mais honnêtement, le départ a été vraiment en Lyon. Et là, de voir un peu ce qui se passe, les gens, ils s'en vont pas très loin. On l'a déjà vécu. Là, 2 ans, on a eu un gros orage, en fait. Les gens sont revenus en force, puis ça a été notre meilleure des 2 soirées, la soirée où il y a eu des gros orages. Alors, on est quand même confiants là, qu'on va vivre une belle soirée jusqu'à la fin.